Mon arrivée au sommet. On arrive au sommet comme tu peux le constater. Voilà. Les Colombiens, ils font du sport ou quoi? Alors bienvenue les gars sur cette nouvelle vidéo. Bon t'as vu là je suis moi j'ai faim. Parce que là j'ai pas. Là je suis en train d'escalader une montagne en Colombie. Tu vois déjà un peu comment c'est haut. Je suis venu avec l'ancien là mais il est déjà fatigué. Et là, il n'a pas la condition physique. Moi je suis là à tout moment tu vois. Rapidité, vélocité. Tu vois là des petits moments comme ça. Petit moment simple les gars. Eh ben ça fait plaisir. Tu te dis heureusement quand même que à un moment donné, tu t'es décidé à lancer ton business. Heureusement mec. Parce que des fois, je me posais la question, mais pourquoi tu fais ça en fait? Parce que tu peux te poser cette question là, tu vois. Il y a des gens qui se disent mais pourquoi t'as fait autant. Pourquoi en fait? Ça peut être relou, tu vois. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la plupart des gens, ils se lancent pas, tu vois. Et ben, c'est pour des moments comme ça. C'est pour des moments comme ça où tu peux faire des choses que personne ne fait. Par exemple, tout le monde est confiné. Moi, je suis là, normal, sans masque, en Colombie, bonne ambiance. Voilà pourquoi on fait les choses. Pour avoir une meilleure vie, tu vois. Et surtout que je me dis, tu vois, on n'a qu'une seule vie. T'imagines, on n'a qu'une seule vie. Alors des fois les gens ils le prennent genre en mode ah comme j'ai qu'une seule vie c'est bon je peux me droguer alors. Bah non au contraire. Parce que quand on va finir de te droguer, ça va bien défoncer ta life, tu vas te rappeler que t'as qu'une seule vie, il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Donc du coup le temps super important. Super important le temps, t'as qu'une vie. Fais ce que t'as envie de faire en fait. Tu vois? Fais ce que t'as envie de faire parce que. Sinon tu vas le regretter après en fait. Ça, c'est sûr et certain. Ah il est là, il a réussi à suivre quand même. C'est sûr que tu vas regretter. Si t'as un truc à faire, que tu ne passes pas l'action, tu vas regretter. Si jamais j'avais pas fait mon premier business en ligne, je ne m'étais pas lancé, je l'aurais regretté, c'est sûr et certain. En fait, il y a des choses, et surtout, je me dis, j'aurais jamais su, c'est fou quand même, les actions cumulées peuvent te faire, comment dire, changer de vie carrément, tu vois. Juste un choix de vie, tu vois, juste un choix, même pas un choix de vie, juste un choix. J'ai juste acheté une formation. J'ai juste cru et acheté une formation derrière. Et regarde, aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux, tu vois. Et à un moment donné. Et mon premier truc que je fais là, vraiment, enfin le premier truc auquel je pense, c'est surtout genre comment en fait faire maximum tout ce que je veux faire en fait. Ça veut dire je ne me mets pas de limite. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Et pour pas avoir de regrets. Gars. Mais vraiment, mais dans tous les trucs, dans tous les piliers. Pas seulement le business, ça peut être dans tout ce qui est personnel, professionnel, santé, tout, tout. Relation, tout. Je fais tout pour ne voir aucun regret, mec. Parce que franchement, la vie elle passe tellement vite, t'es pas prêt. Toi, tu crois que la vie ça dure longtemps comme ça? Oui, le temps il passe trop vite, mec. Ça a abusé. On arrive au sommet. On arrive au sommet, comme tu peux le constater. Voilà. Ils font du sport ou quoi? Du coup, ce que je veux vous dire, les gars, je veux juste vous partager ça. Vidéo vite fait, mais juste pour te dire, mec, t'as qu'une vie. T'as qu'une vie, tu peux pas te permettre de la gâcher. Franchement, pour moi, c'est du gâchis de faire du métro boulot dodo. Après, ça dépend si jamais c'est un truc que tu kiffes, tu vois. Si jamais c'est un taf que tu kiffes, c'est ok, tu vois. Mais si c'est pas un truc que tu kiffes, mec. Qu'est-ce que tu fais quoi? Tu vois?
Moi, je te propose la formation à faire sur 2.0. C'est un chemin, un des chemins pour pouvoir s'en sortir, tu vois. Après, tu peux faire d'autres. Il y a tellement de business aujourd'hui que, dans lequel tu peux te lancer. Franchement, c'est bête de pas se lancer parce que t'as peur, quoi. Parce que t'as peur de rater. C'est bête, quoi. Parce que tu vas regretter après, c'est sûr et certain. Il y a des gars qui font du sport là-bas. Je leur mets la pression ou pas? Je vais là-bas, je fais des tractions. Tu peux constater que je suis pas essoufflé, hein, contrairement à la majorité des Colombiens qui sont présents. Tu vois? Moi, je suis bien. Voilà, les gars. Donc, c'est tout pour cette vidéo, la petite vidéo, vite fait. Dis-moi si t'aimes bien ce genre de format où, genre, je raconte ma life. Et je te partage un petit peu de mon quotidien. Okay. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime. Un j'aime pas si jamais t'as pas aimé cette vidéo. Abonne-toi. Et si jamais tu veux te lancer, t'as la formation sur le podcast qui est juste en dessous. T'as juste à cliquer. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux. Et il y a nous. Hein?